Encore plus efficace, toujours un peu plus prometteur. Hier, la société de biotechnologie Moderna annonce un nouveau vaccin contre le coronavirus. Taux de réussite, 94,5%, se réjouit le patron français de la firme américaine. Nous fabriquons les doses quotidiennement que nous stockons. En attendant d'avoir le feu vert des autorités, je pense d'ici un mois. La semaine dernière, c'était un attelage américain et allemand qui arrivait en tête de la course au très attendu vaccin contre le Covid-19. Washington s'organise et prévoit déjà de livrer 20 millions de doses aux Américains courant décembre. Nous avons maintenant deux vaccins qui vont très bien marcher, donc je pense que c'est un grand pas vers le contrôle de ce virus. Des annonces très médiatiques, avant même d'avoir reçu la validation des autorités de réglementation scientifique. Des annonces qui font s'envoler les bourses mondiales. La semaine dernière à Wall Street, le Dow Jones bondit de plus de 4%. Quant à Paris, le CAC clôture en hausse à plus de 7%. Même scénario hier à la Bourse de Paris qui termine encore une fois en hausse. Si la finance et les scientifiques s'emballent, c'est aussi parce que ces deux vaccins ont la même stratégie innovante. Le principe de ce vaccin est très simple. On injecte l'ARN. L'ARN est la séquence génétique qui permet à toutes nos cellules de fabriquer des protéines. Donc là, on injecte de l'ARN qui permet de fabriquer un composant du virus. Ce composant du virus donc, va être produit par nos cellules. Notre organisme va le reconnaître. On va faire des anticorps contre ce composant. Et ces anticorps vont avoir un effet neutralisant contre l'infection virale. Ça ne veut pas dire que les autres stratégies ne vont pas bien fonctionner. Ça va probablement être le cas également parce que le virus semble, d'une certaine façon, facile à neutraliser. La course continue. En tout, 11 projets de vaccins sont en phase 3 dans le monde. Mais déjà, la planète tourne à deux vitesses. L'alerte est lancée cet après-midi par le patron de Moderna. Les négociations avec les Européens prennent du retard et risqueraient de ralentir la livraison des vaccins outre-Atlantique. En France, l'exécutif préfère jouer la montre et la prudence. On se met en condition d'être prêt, mais à ce stade, je rappelle que la phase 3 n'est pas terminée, que ce sont des résultats préliminaires. Donc il vaut mieux être prudent et avoir une bonne nouvelle que se précipiter et avoir une grosse déconvenue. Le jour où j'aurai un arrêté à signer avec une autorisation d'une agence de santé qui me dit « vous pouvez proposer le vaccin en confiance à la France et aux Français », c'est que je serai non seulement en état de me vacciner, mais aussi en état de vacciner mes parents et mes enfants, s'ils répondent aux indications. Il est évident que je ne ferai pas courir un risque aux Français, que je ne ferai pas courir à moi-même ou à ma famille. Il faut d'abord rassurer les Français avant de mettre en place une campagne de vaccination qui pourrait démarrer en janvier. Puis répondre aux questions, faut-il vacciner toute la population ou seulement les plus vulnérables? Faut-il avoir recours à des centres de vaccination dédiés, comme lors de la crise du virus H1N1? L'idée actuelle, c'est plutôt d'utiliser les mécanismes que les Français ont l'habitude d'utiliser pour la vaccination, comme pour la vaccination grippe, par exemple, plutôt que d'inventer autre chose. Comme vous savez, en fait, la vaccination sous les tentes, avec les longues files et l'intervention des services médicaux des armées, n'avait pas été un grand succès en 2009-2010. Il faudra ensuite beaucoup de pédagogie politique et scientifique pour convaincre. Un Français sur deux affirme qu'il ne se fera pas vacciner contre le coronavirus.